Salut les amis! La chanson du jour, c'est une chanson dont j'ai composé la musique en 1980, je crois. Donc ça fait ben, voilà, 40 ans. Et j'ai retrouvé ça tout à l'heure par hasard. C'est pour ça que je vous ai mis à côté la photo du disque correspondant qui a été enregistré en 82, qui s'appelait Rideau. Et dans ce disque-là, justement, il y a deux, trois vieilles chansons dont j'ai refait la musique pour le dernier Post-Scriptum qui est sorti il y a un an et demi. Et en rechangeant toutes les musiques et les arrangements, bien sûr, en reprenant des paroles, en les remodelant un peu. Et dans cet album-là, que j'ai retrouvé tout à l'heure, comme ça, en fouillant dans mes vieilleries, j'ai retrouvé une chanson que je chantais à l'époque, que je chante jamais plus, dommage, parce qu'en fait j'aime bien les paroles. Elles avaient été écrites par un ami, donc les gens de Tours le connaissaient peut-être, puisque c'était un gars du théâtre de Lente. Il s'appelait Jean-Jacques Cholet. Et le théâtre de Lente, qui avait été créé par mon ami Jean-Louis Dumont, que tout le monde connaît bien sûr à Tours dans le milieu culturel. Et cette chanson s'appelle Mes mains devant les yeux. Et j'avais donc écrit la musique en 80 et ça fait comme ça. Les esclaves sont lâchés, hors de leur piège à produire. Il est 6 heures au clocher de la ville en plein délire. Des milliers d'yeux me décochent, leurs visions et leurs tristesses. Tous les regards que j'accroche viennent jaillir sur ma veste. Et je mets mes mains devant mes yeux. Les voitures qui déboulent entre les flics énervés voudraient écraser la foule. Occupé à se rentrer ou à voir si l'ambulance emporte des yeux crevés au bord de l'indifférence et sur la peur des pavés. Et je mets mes mains devant mes yeux. Derrière les résidences s'agenouillent les enfants qui vivent par l'espérance comme le font leurs parents. Dans leur pauvre bidonville où tout craque quand on passe, leur visage qui s'effile à tous lance des menaces. Et je mets mes mains devant mes yeux. Palais de la justice, on condamne vos enfants. Les sirènes retentissent en l'honneur des innocents. Moi je ne suis qu'un mort-né, je porte des lettres et pas le temps d'être concerné par vos passages à tabac. Et je mets mes mains devant mes yeux. Je marche comme un esprit au milieu de ma souffrance, mais vous n'y pouvez rien, j'ai pris un autre train de voyance, puis je vais rentrer chez moi et je vais fermer ma porte. Là les pleurs ouvrent mes doigts car hier ma mère est morte et je mets la vie devant mes yeux. 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 Merci Jean-Jacques.